Salut à tous et bienvenue à un autre mondial sem spécial où salut à Gicula d'Aguin en Tabiasa San Nicolas. Alors c'est super parce que je suis en compagnie de deux chefs rien que pour moi pour une recette hyper gourmande. Alors je suis en compagnie de Jean-Michel Querch. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et bien sûr en compagnie de Monsieur Robon, Michel, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Et vendredi, c'est une retenue des chefs. Oui, donc je vous parlais d'une idée chef et une belle idée chef. J'ai deux recettes à vous proposer, aussi bien gourmande l'une que l'autre. Alors on va commencer avec vous, Jean-Michel, avec un crémeux à la nocella, cookies à la châtaigne et ses poires William. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots là pour nous faire saliver? C'est une association de nos produits. On a voulu rajouter du brooch comme un... On a essayé quand même très identitaire. Hein, très identitaire. Alors la recette, j'avais fait avec de la poire William, mais ce matin sur le marché, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des pommes de Bastille, les gars. Mm-hmm. Comme ça, on va les rajouter à la recette et on va les faire mariner avec un peu de Cap-Corse rouge. Alors, donc, un paquet de cookies châtaigne noisette. Oui, on a un pot de pâte à tartiner Nougella. Oui. Et alors, vous avez choisi de prendre du brooch, mais on a aussi une variante. On peut aussi utiliser du mascarpone, c'est ça? C'est ça. Ça fait un peu plus tiramisu, mais le voilà. Brooch, c'est de chez nous. Donc, je t'aime un yeah. Ok. Et vous, monsieur Gobong, expliquez-nous ce que vous nous faites. Le velours de cacao. J'aime bien quand vous m'appelez chef. Chef. Non, Michel, voilà. Moi, j'aime pas trop. Alors, chef, les... on va rester dans les chefs. Allez. Quand on me dira, voilà un grand chef, je dis oui, je fais 1m83. Voilà. Ouais, effectivement. Voilà. Alors, donc, c'est un velours de cacao. Mm-hmm. Donc, c'est très simple. Hein. On va vous montrer faire une recette le plus simple possible. Pour moi, l'art de la cuisine ou de la pâtisserie, c'est de prendre des bons éléments, des bons produits et de le faire le plus simple possible. Et c'est toujours le plus difficile en revanche. Et c'est très difficile à faire. Oui. Parce qu'on veut toujours mettre un tas de choses et puis après, ça... Au final, ça dénature aussi les absolument. Produits de base. Oui. Donc ce sont deux recettes qui vont parfaitement s'associer, messieurs. Donc c'est une sauce au chocolat. Voilà. Hein, donc on appelle velours de cacao. Donc il y a du sucre, très peu de sucre. Donc sucre. Des jaunes d'œufs. Oui. Du lait, de la crème. Et du cacao, beaucoup de cacao. Alors la consistance, elle va être comment? Elle va être assez elle épaisse être, oh non, elle va être crémeuse. Juste crémeuse. Voilà. Juste parfaite. Juste parfaite pour glacer, pour mettre sur le bocal. Et accompagner cette verrine. Et accompagner le mangia. Alors messieurs, je vous propose de nous mettre au travail, qu'en dites-vous? Tout à fait. Absolument. Allez-y, donc là on va commencer, vous allez chauffer votre crème, c'est ça? Oui. Alors, ne nous trompons pas, ici on a le lait et la crème. D'ailleurs on voit, elle est beaucoup on plus épaisse, bien hein, plus la couleur. Épaisse et voilà. Donc là, on va commencer par chauffer notre crème et le lait. Oui. Comment, est-ce qu'on les chauffe? On chauffe lait et crème ensemble? On peut. D'accord. On peut faire séparer ou ensemble. Alors, bon, vous avez une balance à disposition. Voilà. Qu'on nous prête moi, gentiment. Bon. Alors, on a un petit souci avec la plaque. Ah, attendez. Ah là là. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'aide? Peut-être M. Périnet, il pourrait venir nous aider en direct. On a un petit souci de plaque. Alors nous, Jean-Michel. C'est par ici, la cuisine, la cuisine de salon, du chocolat et des délices de oui, Corse. Et que vous avez besoin d'aide. Bonjour. Voilà, c'est bonjour. Ça. Alors regardez, hop, magique. Ah oh là là, c'est formidable. On a toujours besoin d'âmes près de nous parce qu'on est bonjour perdu. Bonjour Célia, merci d'être venue nous aider. C'est moi qui suis blonde, hein, mais enfin, ça je dis rien. Là, alors ma chère Francine, voilà. Vous savez, nous on est en train gentiment de se mettre en place, tranquillement, parce avec qu'à partir de 12h25, toute l'équipe sera là pour ce 6e salon du chocolat. Un salon, un événement, effectivement très très gourmand, ça commence déjà ici. Je vais vous piquer votre chef tout à l'heure, Francine. Mais je vous le prête volontiers, il a beaucoup parce de choses à que dire. Michel est venu dans la cuisine de Marina et Florian n'était pas là. Il ne m'a pas cru quand je lui ai dit que vous étiez le chef de la Maison Blanche voilà, de Michael Ronald. Jackson voilà, tout à fait. Et de Frank Sinatra. Oui. Incroyable, incroyable. Plutôt moonwalk ou preneur non. Vous êtes plutôt moonwalk ou preneur c'est crooner. Le moonwalk, ouais, plutôt preneur. Ouais, voilà. Alors un peu plus sérieusement, je vais vous laisser travailler, je ne vais pas rester là trop longtemps. Mais nous allons avoir en invité fil rouge, Gabriel Payasson. C'est l'inventeur de la Coupe du Monde de pâtisserie. Il va nous faire partager son expertise. On va discuter avec Paul Pierignel que vous appeliez au secours. C'est donc l'organisateur de cet événement. Et puis plein d'autres chefs et beaucoup de gourmandises au programme. Ce sera donc en direct à 12h25 et je vais vous mettre au travail aussi. Parce que je vais vous envoyer en villégiature dans les 3000 mètres carrés du salon. Mais c'est un plaisir. On ne va pas parler de travail, on parle de plaisir. Il y a tellement de très belles choses et bonnes choses. Alors, vous prenez des forces et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Donc, continue notre recette. Donc, vous, Michel, vous avez commencé
avec le chocolat également. Vous avez commencé, par un célèbre pâtissier à Annecy qui s'appelait Monsieur... Le Nôtre, c'est ça? Oui, ben, Le Nôtre, c'était juste après. C'était juste après. Et Monsieur Chanel à Annecy. Et c'est là où j'ai eu ma première médaille d'or après un an d'apprentissage en faisant du chocolat. Vous avez sculpté le chocolat, oui, c'est ça? Oui, et puis c'était pour Pâques, donc il fallait faire des sujets de Pâques, une cloche avec un œuf. Vous étiez directement dans le vif voilà, du sujet, tout, quoi. Voilà, tout à fait. Et vous, Jean-Michel, vos armes? Elles sont faites où? Chez nous, déjà. Chez nous? Je n'ai pas beaucoup bougé, parce que je suis autodidacte. Mm-hmm. Passionné? Passionné. Le micro. Oui, pardon, je suis autodidacte. Je suis passionné depuis... Je suis né dans les marmites, comme on dit. Mes parents avaient un restaurant à Saint-Florent. Mm-hmm. Moi, j'ai repris la suite et j'ai appris la cuisine et la pâtisserie tout seul. Mm-hmm. Et avec la passion, l'envie, et j'ai appris avec des bons livres, on va dire. C'est un bon moteur, ça, la passion. Oui. Eh bien, on va continuer, nous, à élaborer ces recettes et vous faire saliver en attendant. Je vous donne rendez-vous avec le JT. Nous allons continuer, si vous voulez bien, messieurs. Et je vous dis à tout à l'heure. On continue. Hein ? Continue. Donc là, c'est tout chaud, là. On va y ajouter les œufs. Bon appétit si vous êtes à table.